Bonjour les amis, comment allez-vous? Oui, c'est ma tête du matin, enfin, sauf qu'il est. Attendez les gars. Zélégonzès. Il est midi et je suis levée depuis 7 heures du matin, sauf que je ne me suis pas préparée très tôt vu qu'on ne sort que cet après-midi, donc basta cosy. Et qu'en plus, un pote a débarqué pour l'apéro. Comme d'hab, ici c'est la maison du bonheur et ça c'est bien. S'il y en avait plus, les gens seraient plus heureux. Vous croyez pas? Mais venez tous à la maison, hein? Ben, on venait pas tous ensemble parce que la maison est petite. Attendez, excusez-moi. Attendez, je vais faire un tour. Ouais, vous verrez pas. Bon, me revoilà, j'ai branché le micro. Et en même temps, je me suis essuyé le nez. Sauf que ça va pas durer longtemps parce que moi, j'ai une rhinite perpétuelle. Oui, bah, tu sais, c'est pas grave. Rien n'est grave avec moi, vous savez bien. Bon, passe à cosy. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo routine du matin à midi. Eh bé. Sauf qu'avant. Ah, chose que j'ai oubliée, ça y est. Ça commence, il va falloir que je trouve dans mon bazar. Puisque nous rentrons de week-end, donc je n'ai pas rangé les trousses. C'est chiant, ça, c'est le pire. Finalement, la valise, ça va vite, hein, les vêtements, tout ça, tout ça. Voilà. Lui, je l'ai remis dedans, on va savoir pourquoi, Charles. Donc, ce matin, au lever, comme une fois tous les 2 jours, c'est devenu une espèce de lubie. Pas un rituel, j'irai pas jusque-là du tout. L'impression d'être super loin, et je sais toujours pas faire le zoom. Là, je déplace ma chaise. Et si jamais elle se plie sous mon cul, vous allez avoir une drôle de vue. Oh, l'imaginez pas. Donc, tous les 2 jours, je fais un masque. Parce que je trouve que ça fait du bien à ma peau. Et je fais ce masque magnifique et génial de Uriage au thermal. Je vois rien. Masque d'eau nuit. Normalement, c'est pour le soir. Moi, je le mets quand je veux. Mais le soir, sachez que je fais très peu de rituels. C'est pas bien, parce que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Je sais tout ça. Oh, le cosmia, tu me gênes là. Alors tu vas virer ton popotin. Et toi, le shampoing sec aussi, parce que ça aussi. Pardon. Voilà, c'est bien. Oh, c'est magnifique. À la one again, beast to fly. Oh, je suis désolée, voilà le petit pas que j'ai hoqué. Comme les bébés. Il faut me faire faire mon rototo. Alors donc, j'utilise tous les 2 jours essentiellement celui-ci. J'en ai un autre que j'ai utilisé ce matin, pour ne pas mentir. C'est un Yves Rocher que je trouve moins bien. Par contre, qui doit lisser la peau parce que ce sont des tests, pas du tout, des masques sans rinçage que j'aime bien parce que justement, donc la peau prend tout ce qu'elle a à prendre. Mais après, il y a un espèce de petit résidu que j'élimine, comme je vais vous le montrer juste après. Donc, en règle générale, sauf qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas fait vu qu'ils étaient dans la chambre et que chéri dormait, je n'ai pas voulu réveiller monsieur. Voyons, il a fait hier 5 heures de route, ça va quoi, hein? Un peu de douceur, de tendresse en ce monde de brut. Parce que oui, moi, je pense à mon mari handicapé, oui, le mien est important. Ceci est un message pour la personne qui l'entendra, bien sûr. Bref. Mais mon préféré, c'est celui-ci, le Uriage. Maintenant que je ne le trouve plus, le Yves Rocher que j'adorais, celui que j'ai, il est bien, mais je vous dis, par contre, il doit être tenseur parce qu'il me tire la peau. Mais du coup, ça me gêne. C'est-à-dire que je ne peux pas rester juste comme ça. Celui-ci, je peux rester comme ça sans hydrater derrière. Le Yves Rocher, je ne peux pas. Bon, bref. Donc mon préféré, c'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé, donc je vais vous le répéter puisque vous voyez. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Vous remarquerez depuis quelques vidéos, je mets tout en barre d'infos. Pas les liens, parce que je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Oh, mais je suis une quiche. Mais une quiche assumée. Mais je reste une quiche. Hi. Non, faut pas que je souris. Je sourirai quand j'aurai dit non, d'accord? Non, ça va être trop moche. Donc c'est le Uriage au thermal, ça on le sait, au thermal à nouveau, c'est, je vous dis, c'est écrit, masque d'eau de nuit, masque d'eau nuit. Mais bon,
Nuit, jour, tu fais bien qu'est-ce que tu veux. Il m'arrive de le mettre le soir. Mais quand j'y pense, je vous dis, moi, la routine du soir, je suis quelqu'un de très infidèle. C'est pas bien? Je sais, bon, ça va me le dire, je le sais. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord, quand j'ai pas les cheveux propres, comme c'est le cas. Bon, ils sont pas non plus, mais bon, ils sont platouilles. Et ils sont très bruns ici, et ça, je déteste. Je vais donc mettre du shampoing sec et retirer les lunettes. Donc, je vais plus rien voir de ce que je fais. Ben, disons que je vois une personne, une grosse personne en face de moi, qui agite un flacon. Oui, agiter avant de s'en servir. C'est un peu Orangina, vous voyez. Normalement, il faut le mettre très loin. Et moi, je le mets près. J'en mets partout, de façon à donner du volume partout. Et voilà ce que je fais, vous voyez. C'est pour ça que j'enlève mes lunettes, parce que, par contre, comme c'est près, je m'en mets plein la tronche. Et je continue de plus près encore sur les racines. Oui, je nettoie, et ben, vous allez voir après. Sur les racines brunes, qui ne, enfin, châtain foncé, qui ne me plaisent pas du tout. Bon, c'est la mode, mais moi, j'aime, désolé, j'aime pas. Chacun son truc. Donc, il va falloir que je réfléchisse à une autre. À autre chose au niveau de la coiffure. Bon, bref. Ils ont énormément poussé. Ça me gêne, je ne sais plus quoi en faire. Mais je voulais qu'ils poussent encore un peu. Pour les attacher et faire un joli petit bun derrière. Enfin, un joli chignon style danseuse. Oui, danseuse de cabaret rigolo. Et alors, j'ai droit. Ou bien une. Ce que ma mère faisait magnifiquement. Un shampoing, pas du tout. Ouais, ça fait ma mère, je sais. Comment? Attendez, j'ai trouvé. Un chignon à la bardeau, vous savez, là. Je sais pas comment ça s'appelle, ça a un nom. Je ne le connais pas, je ne me rappelle plus. Bon, ça c'est fait. Florence, revenons-en à nos moutons. Donc maintenant, je vais faire ça. Je vais mettre un serre-tête de merde. En ferraille qui fait mal, mais qui sert, qui va bien, qui sert bien, et que tu ne peux pas garder la journée, sinon tu prends mal à la tête. Donc je suis un peu blanche sur les contours, vous voyez vous-même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, pour enlever le masque, j'utilise une bombe, ouais, une bombe comme moi, une bombe, une grosse bombe comme moi. Autodérision un jour, autodérision toujours. Je prends l'accent du sud parce que j'aime bien, donc j'aime tellement de ça. Donc j'utilise là, en l'occurrence, dans la chambre, j'ai la pure water. Vous traduirez tout seul. Allez, je vous le fais juste pour vous emmerder. L'eau pure en atomiseur de chez Cosmia, la marque Auchan, qui va très bien. Et dans la chambre, j'aime bien, ça reste frais vu qu'on ne chauffe pas la chambre. Sinon, dans mon frigo, cette vidéo va durer 3 heures. Non. Mais bon, comme après, ça va vite. Enfin, avec moi, rien ne va vite. Là, je vous saoule pas vers ça vous donne pas mal à la tête. Si, hein. Mais ben, tant pis. Parce que moi, déjà, ça me donne mal à la tête, le serre-tête. Oui, dans le frigo, j'ai également 2 autres bombes. J'ai une bombe basique aussi, ça doit être une bombe Evian, je ne sais pas, et une bombe Avène. Et la bombe Avène, vu le prix que ça coûte, je l'utilise avec parcimonie. Et figurez-vous que je suis finaude. Oui, ça se voit pas comme ça, mais je vous jure que je suis finaude. Tous mes airs grossiers. Pourquoi j'en rajoute à chaque fois? Je l'utilise donc la bombe Avène, plutôt le soir, puisqu'elle est beaucoup plus hydratante. Pourquoi il clignote ce truc à chaque fois? Non, ça tourne. Punaise, pas pour pas dire pute. Hein? Hein? Pute. Hein? Oh. Pute. Hein? Voilà, pour pas qu'on m'aille dans. Hein? Bref. Où en étais-je? Et voilà, elle va rebondir, mamie, elle va rebondir. Ouh, dis donc, fais gaffe au rebond. Elle te tombe sur la tête, elle t'écrabouille, mamie.
Et voilà. Et je peux pas m'en empêcher. C'est fou, ça. Faut que j'arrête avec ça. Ça devient pénible. Donc, c'est la bombe Cosmia. Eau pure. Bon, bref. Je vais donc m'asperger le visage et l'essuyer. Enfin, le tamponner, puisque c'est comme ça qu'on doit faire. Attention, je ferme les yeux, parce que moi, à chaque fois, le jet me surprend. Non. Oui, dans le décolleté, parce que mon masque, moi, je le fais descendre dans le décolleté. C'est comme ça. Pouh! Ça fait trop du bien, c'est frais. Ah, il n'y a pas de bouchon, peut-être, d'ailleurs. Tiens. Je ne sais pas. Et, puisqu'il ne faut pas laisser sur la peau ce genre de brume, parce que cette brume hydratante, soi-disant hydratante, capte l'hydratation naturelle de votre peau et donc vous assèche finalement au bout du compte la peau si vous ne tamponnez pas. Ceci est aussi un petit clin d'œil à ma copine qui doit reconnaître la petite serviette invitée. Elle m'en avait offerte deux la première fois où nous sommes rencontrés. Je ne dirai pas son nom, mais bon, je pense que la plupart des gens l'ont compris et qu'elle l'a compris. Si elle ne l'a pas compris, mamie, ben dis donc, il faut qu'elle. Vous voyez, il faut tamponner. Je ne sais pas tamponner, ça me saoule. J'ai l'impression de perdre mon temps quand je tamponne. Pourtant, du temps, j'en ai à perdre, honnêtement. Sur les yeux, j'essaie d'aller doucement pour ne pas perdre de cils. Déjà, je n'en ai pas beaucoup. Les sourcils, c'est pas grave, j'en ai plein. Les sourcils, c'est comme les seins, j'en ai plein. Il y en a qui se plaignent. Non, je rigole, c'est pas grave. Ou peut-être que j'aurais pas compris l'humour pourri. Ça brûle. Pourtant, j'en ai pas mis dans les yeux, puis j'avais fermé les yeux. Oui, mais à force de frotter, oui. Hein? Voilà. Et là, au moins, ma peau ne tire plus comme elle tirait tout à l'heure. Bon, elle est bouillante, vu que je l'ai un peu massacrée, la pauvre. Oui, non, non, je ne suis pas un exemple. Ne suivez pas mon exemple. Prenez quelques petites informations au niveau des produits, mais pas mon exemple en termes de gestes. On la voit encore, Cosmia, hein? Mais c'est qu'elle me saoule, celle-ci. Il va falloir qu'on l'éjecte. Et là, si jamais là, elle va tomber, elle va faire un bruit épouvantable, on tombe. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets du contour des yeux. Donc, mon. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, le Garancia, l'arme de fantôme, qui sur moi fait des merveilles pour les poches. Vous remarquerez que j'en ai. Sauf que, j'ai terminé mon vrai flacon. Je vais en racheter cet après-midi. Pour moi, il est indispensable. Je suis obligée de plisser les yeux vu que je vois rien. Et il me fait. Pas instantanément, pas exagéré, mais presque disparaître cette espèce de chose molle que j'ai là. Alors, peut-être que sur certaines, ça n'agit pas, il me semble. Mais bref, je n'en ai plus, je vais aller en chercher, vu que j'ai un bon de 10 euros et qu'il doit me rester un petit peu. Ouh, bravo! Super! Super, super, je viens de faire des conneries en direct. Oui, donc il doit me rester un peu de sous sur ma carte Notibé qui m'a été offerte pour mon anniversaire de l'année dernière. Il serait intéressant que j'utilise avant qu'elle ne soit plus utilisable. Alors là, qu'est-ce que je mets? Eh bien, la même chose. Mais c'est ce que j'ai eu sur. Dans un L, je crois. Non, non, pas dans un L. Je vous en ai parlé sur Instagram. Vous n'avez pas vu l'info? Il faut me suivre sur Instagram. Oui, je fais comme les youtubeuses. Ben, je suis youtubeuse en même temps. T'as Garantia, j'aimerais quand même faire un petit truc avec vous. Oui, non, ben ça ne vous intéresse pas. Vu le peu de vues que j'ai. Et finalement, si on réfléchit bien pour faire YouTube, un cheveu là. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc, je prends. Attendez, je reviens. Je prends la petite flaconnette. Je l'ai montrée ou pas? Je ne sais même plus. Je suis obligée de plisser les yeux. Que j'avais eu donc dans un magazine dont je ne me souviens plus le nom, mais bon, dans un magazine. Mais quoi qu'il en soit, moi, quand je vois du Garantia, je dis, vas-y, ma fille. Alors, quand je vois l'arme de fantôme, je fonce.
quel que soit le magazine. Bon, qu'est-ce que je disais? Vous avez remarqué que je mets sur mon doigt gauche, donc par exemple, vous savez que ma main gauche est handicapée, donc vous remarquerez, j'en mets sur les poches, j'en mets également sur les rides qui me dérangent le plus. D'ailleurs, mon ami que j'ai vu ce week-end et qui est cash de chez Cash, il doit flotter par idée, sauf là, on voit vachement. Non, pas là. Là, on voit vraiment ses rides. Merci, ma chérie. Mais au moins, d'avoir un avis gentil. Non, pourquoi je m'acharne? Gentil, mais constructif. Constructif. Mais bon, ça veut dire que ça se voit, et ça me dérange si ça se voit. Eh ben oui, non, mais je suis comme tout le monde. Bon, là, ça me saoule. Hop! Donc, je vais quand même acheter le vrai, celui-ci. Ce truc, un, contour des lèvres, il est parfait aussi. Vous remarquerez qu'à bientôt 60 ans, j'ai très peu de rides sur les lèvres. Pourtant, je suis une ancienne fumeuse, petite fumeuse, mais quand même, et que je fume toujours la cigarette électronique. Ce qui veut dire, ce geste me fait sourire. Pour une raison que je ne dirai pas. Ah. Voilà. Étirez vos lèvres au maximum. Et passez votre contour des yeux sur votre contour des lèvres, puisque la peau est à peu près identique. Peau très fine sous les yeux, on est d'accord, tout le monde le sait. Et on oublie que la peau, hein, les lèvres et la peau du contour des lèvres est extrêmement fine et fragile. Eh bien, elle travaille beaucoup, hein. Les yeux travaillent beaucoup à cause du clignement de paupières. Et nos lèvres, les filles, elles travaillent beaucoup aussi. Pour manger, j'entends. Oh, je vous vois venir. Non, non, pour manger, entre autres. Bon, ça va, on peut rigoler. Hein. On peut rigoler, qui disait. Et non, comment il s'appelait? Non, pas ici, c'est Maud. Comment il s'appelait? Moi, je ne sais plus. Bref, donc après ce merveilleux. Vraiment, je vous conseille. Dites-moi, les filles, je sais qu'il y en a une qui avait essayé, qui n'avait pas été convaincue. Moi, je continue à vous le conseiller. Donc, le Garantia, l'arme de fantôme. À savoir qu'en flacon normal, qui doit faire, donc, je ne sais pas combien, comme un contour des yeux, je ne sais pas. La fille, elle ne sait rien. Bref, il coûte 39 euros, me semble-t-il. Oula, vous ne voyez pas, parce que là, on a ouverture sur les chutes du Niagara, enfin, des chutes du Nichon. Ensuite, je mets un sérum. Et mon sérum magique, que je trouve super depuis que j'utilise, est une illusion. Ça fait rien. Même si c'est une illusion, non, je ne vais pas le refaire, parce qu'à chaque fois, je me trompe. Donc, c'est le. Ah oui, attendez, elle est con. C'est le Nuxe, je vous en ai déjà parlé également. Le Super Sérum 10, le concentré anti-âge universel. Il coûte cher. Pour moi, il coûte très, ben, pour vous toutes, il va coûter trop cher. Il coûte dans les 60 euros. Il fait, attends, je vais dire, 30 millilitres. Mais bon, il en faut peu pour être heureux. Donc, il faut. C'est avec une pipette, bien entendu. Et normalement, il en faut une goutte pour le visage. Et moi, donc, je mets une deuxième goutte. Pour le décolleté. Et comme je fais, malaxons, j'étale le sérum entre mes mains pour ensuite la poser ainsi. Et dans le décolleté, je vais plus le masser, voyez-vous. Ouh là là, heureusement, vous ne voyez pas. Oh, mon Dieu. Donc maintenant, pour le visage, le mieux, paraît-il, donc c'est ce que je fais maintenant. Parfois, là, je ne peux pas parce que j'ai pas d'appui.
Faites ça pour faire pénétrer votre sérum. Et normalement, pendant ce temps, vous ne parlez pas, vous évadez. C'est un moment d'évasion. Partez dans vos rêveries. Vous faites un temps calme, comme les enfants. Et vous appuyez un petit peu, sans trop. J'espère que vous m'entendez. Vous appuyez sans trop, juste pour avoir l'illusion, pas exagéré non plus, que vous faites pénétrer le produit dans votre... adhérer le produit à votre peau. Oui, ce doigt, je ne sais pas, il ne sait pas quoi faire. C'est ma main gauche, excuse-le, excuse-le-le. Oh, ça commence à me chauffer le visage. Donc je vais être tout rouge, toute rouge. Donc, effectivement, il est cher, mais il est censé durer longtemps. Ça fait combien de temps que je l'ai? Ben, je ne me souviens plus quand je l'ai acheté, mais je crois que c'était au retour de vacances, des galères. Non, pas des galères. C'est des galères. Non, pas du tout. Donc, bon, je ne sais plus. Ça doit faire 2 mois que je l'ai. Voilà où il en est. Il en est, allez, on fout à la moitié. Je trouve vraiment bien. Mais encore une fois, est-ce que c'est une illusion? Mais bon, je trouve que ma peau se porte bien. Ma peau est assez tendue, si on oublie ici, parce que ça, un petit kilo en trop, et ça manque brave. Même en maigrissant, ça finirait, mais ça serait pendant quand même. De toute façon, t'as trop de peau après. Et pour la crème, rien que ça m'épuise déjà tout ça. J'utilisais auparavant la crème que m'avait conseillé mon pharmacien. Je vous en avais parlé d'ailleurs. Comme tout ce que j'utilise en général. Oui, je plisse les yeux, je suis désolée. C'était donc la crème Uriage, toujours Uriage thermal, Age Protect, crème multifonction, ride de fermeté, protection, lumière bleue, celle-ci. Et j'ai l'impression que c'est cette crème-là qui me fait... La preuve que non, regardez comment je suis rouge de ce côté. Je vais quand même faire mon sérum. J'avais l'impression que c'est cette crème qui faisait rougir du côté gauche. Non, parce que là je suis rouge. Donc bref, depuis cette expérience, j'ai décidé de changer de crème de jour. Et j'ai utilisé une crème que m'avait envoyée Kenzonet. Salut ma Kenzonet, je t'embrasse. Une crème Avène, hydrance optimale, crème hydratante, peau sensible sèche à très sèche. Je me suis dit pourquoi pas. Et donc depuis, je l'utilise pensant que c'était la crème Uriage qui faisait une réaction, mais que sur une joue. Mais pourquoi pas? La preuve que non, regardez comment je suis rouge. C'est bizarre, hein? Ouais, je vais être une personne venue d'ailleurs. Venue d'ailleurs, pas venue. Donc là, j'en ai mis un pchut. Oui, parce que moi, j'ai tendance... comme pour tout, à être trop généreuse. Comme pour tout, oui. Moi, quand j'achète quelque chose, je suis généreuse pour les autres comme pour moi. Parfois beaucoup trop. Et là, il faut que j'y aille. Mais peut-être que je suis un peu trop agressive avec ma propre peau. Il est possible que ce soit cela. Donc là, ouais, mais là, déjà. Ah, elle glisse, pas très bien, je trouve cette crème. Est-ce que je vous la conseillerais? Mais écoutez, je ne sais pas, parce que elle est très hydratante, mais elle est très liquide. Vous la posez sur vos mains ou sur votre visage, mais je trouve qu'elle glisse mal sur la peau, vous voyez? Regardez comment c'est rouge de ce côté, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, regardez dans mon 3D là, non pas dans mon 3D, n'importe quoi. Dans mon 3 fois, sauf que je peux pas parce qu'il est bloqué et que j'ai pas mes lunettes, donc je vois strictement rien. Si je vois, mais je vois flou. On s'en fout, on est d'accord. Allez, je vous la remontre. Allez, je sais pas trop quoi en penser. Quoi en penser? Oh, c'est bien cette liaison. Quoi en penser? Ma mâchoire a craqué. Voilà. Donc. Joli ça, dis donc, c'est joli, Jo. Oh, j'arrête d'ouvrir la bouche.
Non, mais t'as vu comment je maltraite ma peau aussi? Quoi qu'il paraît que ça lui fait du bien d'être frappé de temps en temps. Ah oui, non, mais ça chauffe de ce côté, alors qu'il n'y a pas de spot, vous remarquerez. Vous remarquerez ou pas? Bizarre. Qu'est-ce que c'est encore cette chose bizarroïde chez la Monron, la mémère Monron, la mémère Flo. Bon, bah écoutez, je crois que je vais arrêter là parce que j'ai plus rien à dire. Voilà, vous avez à peu près mon. Ouais. Aïe! Et donc, ah, maintenant j'ai la main pleine de crème que je vais allègrement passer dans mes cheveux. Et voilà comment je me coiffe en général. C'est-à-dire que je brasse. Normalement, je mets la tête en bas, mais vous n'allez plus me voir pendant un instant. Ouais, je parais comme une folle. Pas grave. Vous êtes habitués. Hein? Non, mais je suis comme ça dans la vraie vie. Imaginez, vous êtes avec moi à la maison pour un week-end ou je sais pas quoi. Et on est ensemble en salle de bain. Voilà ce que vous verriez. La vraie Flo. Moi, je fais pas des. Oh, la vie est belle, la vie est superbe. Non, arrêtez. Ça me fait penser au dernier livre que j'ai lu hier en une fois en trajet de retour. J'ai lu le dernier livre. Attendez, j'ai une réflexion sur le titre. Le dernier livre de Nathalie Reims qui s'appelle. Hein, Séverine, c'est toi? S'appelle Danger en rive. Pourquoi je pense à ça? Parce que ça parle de d'Internet et de ses déviances. Mais pas que des déviances, elle reconnaît qu'il y a des belles choses aussi. Enfin bref, je vous en parlerai, je vais vous faire un bilan livre juste sur ce livre. Qui m'a particulièrement touchée et qui me laisse dubitative, qui me procure une réflexion profonde. Il faut qu'on en parle, ma Séverine. Bref, tout ça pour dire que je vais vous laisser là, puisqu'il est. Ben, on s'en fout là. Ça fait 27 minutes que je cause. Les yeux qui me brûlent, c'est terrible. Ben, forcément. Entre. Hey. Non. Est-ce que c'est pas un peu mieux que même? Et vous savez ce que je fais en général? C'est que j'en rajoute une couche. Surtout que là, j'ai une espèce d'exemplaire, pas gratuit, mais à 2 euros. Mais bon, que je trouve quand même beaucoup plus liquide que l'original. Oh, c'est frais. Oh, c'est génial. Au niveau fraîcheur, grâce à la bille. Roule ta bille. Oui, d'accord. Ça m'apaise. Et j'ai envie d'en mettre sur toute ma joue, là, vous voyez? Si je faisais ça juste pour me rafraîchir. Oui, mais quand on aime, oui, ne suivez pas. Faites-le pas avec votre. L'original de votre produit. Oh, mais il n'y en a plus ou quoi? Oh, ça sort plus. Voilà, au bout d'un moment, c'est ça. Ça sort plus. Non, 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 ne pensez pas à des choses qui n'ont pas lieu d'être, c'est que moi qui dois y penser. Ouais, mais moi j'ai l'esprit tordu. À mon âge, ça arrête, c'est bien. Ouais, j'en rajoute parce que ça me fait plaisir. Et c'est quasi gratuit. Et ça fait tellement du frais, bon sang, sans pas faire du mal à mes joues, hein, quand même, puisque. Elle est en petite poche et moi au niveau des joues, des grosses poches. Bon, je vais arrêter de dire n'importe quoi. Le copain n'est pas encore parti. Je croyais qu'il serait parti à la fin de ma vidéo. Mais non. Bref, je sais pas si je l'ai dit. Ma prochaine vidéo sera certainement une vidéo livre. Non, peut-être pas. Parce que je sais que livre n'intéresse pas tout le monde. Tout le monde, mais c'est quand même ce que je préfère. Donc, je fais ce que je veux sur ma chaîne, comme dirait une youtubeuse sans commentaire.
Voilà. Et puis, il y aura également, certainement, une je me tente. Eh oui, je me tente. Une vidéo sur notre dernier week-end magnifique à Menton, peut-être. Si vous le réclamez, à cor et à cri. Il y aura également une vidéo make-up, pourquoi pas. Oui, vidéo make-up dans les tons. Je l'ai là, je l'ai. Non, voilà, ça me démange. Je l'ai dans la tête. Je l'ai, non pas comme la confiture, je l'ai du verbe avoir. Laissez tomber, je suis fatiguée. Bon allez, sur ce, je vous embrasse, je vous aime. On s'en fout, vous verrez bien ce qu'il y a. Ciao, je vous aime. Bisous, bisous.